Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Xbox. Une émission très particulière parce que non seulement on va vous parler de Halo 4, mais je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai un invité de marque et c'est Wartech. Salut Wartech. Tu vas bien ? Bien, merci et toi ? Merci d'être aujourd'hui notre invité. Ben, merci à toi de m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être là. Bah écoute, le plaisir est partagé. Donc commençons déjà par un peu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. On te connaît principalement là où tu es très connu, c'est sur YouTube. Exactement. Tu fais, explique-nous un peu, tu fais des vidéos. Je fais principalement des vidéos sur Call of Duty depuis maintenant 2 ans. J'ai joué un petit peu justement à Halo, quand on va parler. Et principalement, je joue sniper et je fais des montages et plein de vidéos de commentaires, des tutoriaux et plein de choses comme ça. Ah, je crois que tu es connu pour être un des meilleurs snipers dans le domaine. Hein. Non, on essaye. Où tu alignes les cibles et avec une balle, tu peux tuer plusieurs. Ouais, mais il y en a qui sont meilleurs que moi quand même. Mais on essaye. D'accord, très bien. Comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler de Halo 4 et tout particulièrement le jeu sort aujourd'hui et on va retracer un peu l'histoire de Halo, les jeux qui sont sortis précédemment et après on vous donnera des détails sur le jeu lui-même. Donc la saga Halo a commencé il y a très très longtemps, il y a plus de 10 ans puisqu'on a eu l'anniversaire du tout premier Halo cette année qui est Halo Combat Evolved qui était sur la première Xbox ainsi que Halo 2 également. Exact. Et je crois que toi tu as commencé à découvrir Halo avec la 360. Exact, j'ai commencé sur Halo 3 à faire jouer un petit peu, c'était pas vraiment mon grand jeu mais j'y ai joué pas mal et j'ai pas mal accroché. J'ai joué il y a 2 ans je crois, ouais 3 ans maintenant sur Halo Reach un peu et j'avais fait quelques vidéos dessus aussi que j'avais bien apprécié, toujours au sniper évidemment parce que c'est quand même le truc et c'était vraiment un bon jeu et j'ai hâte de savoir justement quelles sont les nouveautés de ce Halo 4 quoi. Ouais, et on va les découvrir tout de suite, mais également avant de passer là-dessus, on vous rappelle aussi qu'il y avait eu 2 autres Halo qui étaient Halo ODST, c'était Halo 3 ODST qui était une sorte d'histoire parallèle à Halo 3 dans lequel il n'y avait pas Master Chief et également Halo Wars, un jeu de stratégie, un jeu de guerre de stratégie. Mais là on est là pour vous parler de Halo 4, avec le grand retour de Master Chief, qu'on n'a pas vu depuis 2009, je crois. 2007 ou 2009, ouais. 2007. Reach n'était pas... D'accord, oui, c'est vrai. I couldn't be more excited to bring back the Master Chief. He's an iconic character. Everyone knows him, everyone loves him. He's been in cryo for a long time. And we're happy to bring him back. We think it's a great thing for us to focus on Halo 4. Découvrons tout de suite quelques images de Halo 4. Scout, hold up. TDT back! They spotted us! What was that? Unknown. Activity all around us! Hostiles. Definitely not Covenant. Stay sharp. Commençons par le mode campagne, qu'on appelle traditionnellement le mode solo, mais en fait là on n'est pas solo, parce que comme dans Halo 3 et Halo Reach, on peut jouer en coop à 4. Mais attends, est-ce qu'il y a encore toujours les mêmes ennemis, les Covenants et tout ça, qui interviennent même dans la campagne solo? Ouais, tout à fait, alors les Covenants sont toujours là, mais surtout on a un nouvel ennemi qui s'appelle les Prometheans, Prometheans en anglais, et qui sont des ennemis ancestraux, je crois, une vieille ennemie qui revient à la surface et qui va voilà, nous attaquer, parce qu'on se retrouve dans un nouveau monde. Ça se passe à peu près 5 ans après la fin de Halo 3, et on va trouver plein de nouvelles créatures, un nouvel ennemi, et ça va être assez intéressant de voir ça. Mais on vous en dit pas plus pour la campagne, à vous de le découvrir dans le jeu. So we've been working on this enemy class for
you know, 3 years now. De superbes images en tout cas du solo, mais c'est vrai que Halo est quand même bien connu pour le mode multijoueur. D'ailleurs Tony, explique-moi un peu quelles sont les nouveautés de ce Halo 4 au niveau des armes, de la personnalisation. Quelles sont les nouveautés sur Halo 4? Ouais, il y a pas mal de nouveautés. D'ailleurs déjà tu commences ta carrière multijoueur dans ce qu'on appelle le hub, la zone Infinity. Infinity c'est le nom d'un grand vaisseau dans Halo 4. Mm-hmm. Et c'est là où tu vas pouvoir gérer ta carrière solo, multijoueur et également pouvoir personnaliser ton personnage. Donc avec les points que tu vas pouvoir accumuler, débloquer dans le jeu multijoueur, tu vas pouvoir customiser ton armure, améliorer ton armure, customiser tes armes, apporter de nouvelles fonctionnalités à tes armes. Et donc c'est vraiment un endroit où tu vas pouvoir gérer ta carrière et ton clan avec tes autres amis dans le multijoueur. Donc j'ai entendu parler qu'il y avait un nouveau mode dans le mode multi et qu'apparemment le mode solo continuerait avec du contenu dans le multi. Exactement, donc c'est un peu comme le mode campagne, mais dans le mode multijoueur, où il y aura des nouveaux épisodes chaque semaine, où on pourra jouer en coop. Et en fait, c'est comme si le côté campagne, cinématique, histoire continuait, mais dans un mode multijoueur avec beaucoup de contenu qui arriveront chaque semaine. Ce sera du contenu gratuit, mais il faudrait quand même être abonné Xbox Live Gold pour pouvoir y jouer. Mais à côté de ce mode justement qu'on appelle Spartan Ops, c'est le nom de ce mode, si tu veux, qui contient l'histoire, qui est parallèle à la campagne normale. Mm-hmm. Tu auras aussi le mode multijoueur qu'on appelle le mode de guerre, où tu as les modes Slayer, les modes, tous ces modes qu'on connaît justement, où tu dois par exemple tuer le leader, choper le leader de l'équipe adverse ou des choses comme ça. Donc il y aura tous les modes Slayer qu'on connaît d'habitude dans Halo 4, des autres Halo, seront maintenant dans Halo 4 également. War Games is competitive play. Spartan Ops is weekly episodic cooperative play. No matter what you choose, everything matters in this ongoing, persistent experience. The line between fiction, competitive multiplayer, and campaign is erased aboard Infinity. Your every action affects the story, the ship, and the very fate of the galaxy. Ils ont vraiment prévu de super contenu. Cette manette, elle est vraiment belle, hein? Ouais, t'as vu, donc c'est un plastique bleu transparent. Mm. Et puis la console en édition limitée sera aussi avec ce plastique transparent, donc on peut voir l'intérieur des circuits, tout ça. Et d'ailleurs, cette manette est à gagner. Il suffit de nous écrire à l'adresse qui figure en bas, c'est switchbox@hotmail.ch. Et vous écrivez à cette adresse et vous tentez votre chance pour gagner cette manette. Ça vaut le coup, hein, je vous le dis. Voilà. Et puis sinon, retrouvez-nous sur Facebook Xbox Suisse et YouTube Xbox Suisse également. Et puis, peut-être tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te voir, justement, voir tes vidéos? Si jamais moi, vous pouvez me retrouver sur YouTube à l'adresse WarTech Gaming. Autrement, vous pouvez me suivre sur Twitter pour plein de news. Mon Twitter est EA-WarTech, si jamais vous voulez me suivre sur Twitter. Voilà, très bien. En tout cas, Anil, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Franchement, ça fait un plaisir de t'avoir. Moi aussi, merci beaucoup et j'ai hâte de voir ce que ce Halo 4 va donner en tout cas. Ah ouais, écoute, en tout cas, je pense qu'on va essayer de faire la campagne en coop ensemble, j'espère. Avec plaisir. Et à vous tous, on vous dit merci beaucoup, merci de nous suivre et puis on vous dit à la prochaine fois. Ciao. Bye tout le monde.